Je l'ai partout, j'ai les doigts gelés, j'ai du mal à avancer. Et on n'a pas encore franchi le premier col. J'ai même du mal à parler, tellement je suis gelé. Donc je vais vous faire quand même admirer le paysage que j'ai devant moi. Bon, alors j'ai passé la première barrière horaire. Là on arrive sur Tignes. Ça va être quand même compliqué. On n'a pas fait le plus dur, donc si vous dire. On verra bien. On va voir ça au fur et à mesure de l'avancée du parcours. Et voilà, le lac de Tignes. En tous les cas, si je ne suis pas finisher, au moins j'aurai l'avantage d'avoir pu admirer un magnifique paysage. Là je suis... Si c'est pas la barrière horaire qui me stoppe, je ne sais pas si je vais stopper avant, parce que là j'en ai plein les pattes et j'ai fait que le tiers, même pas, je sais pas. Donc je vous laisse admirer quand même ce qu'il y a de plus beau ici. D'accord. Et ben voilà, on va monter le plus gros du gâteau aujourd'hui, enfin, de la matinée, le col du Picheru. Une sacrée patate parce que il y a, je crois que c'est 10 km, on n'est pas loin de 1000 mètres de D+, ou un peu plus. Donc là ça va grimper sec. On verra bien. J'en ai plein les pattes, j'ai du mal à digérer, ce petit déj ne passe pas ce matin. Donc c'est très très compliqué pour moi. Allez, peu de courage, on verra bien si je passe la barrière horaire là-haut, sinon. Bye bye. Allez, à tout à l'heure, ciao. Bonjour. Alors, petit rectif par rapport à tout à l'heure, c'est pas 10, c'est 4 km pour au moins 1 mètre de plus. Donc ça pique encore plus. Ah ça y est, j'ai passé le col du Picheru. Non sans mal. Honnêtement, je me suis arrêté très très souvent. Mais bon là, j'ai passé une barrière là et finalement je suis dans les chronos. Donc théoriquement, je devrais pouvoir finir. J'espère. J'espère. Là. On arrive au lac de la Sassière, en contrebas. Alors voici le lac de la Sassière. Et nous dirigeons tout en haut là-bas, la partie verdoyante. Encore, bon ça c'est pas trop une trop grosse difficulté,
Ce sera après quand on va redescendre pour monter vers le col de l'Iseran. Là par contre, ce sera un deuxième morceau. Très très long. Allez. On y croit. Et voilà, je viens de quitter le ravito du Fornet. Et là, je me dirige vers le col de l'Iseran. Et après, donc le ravito au col de l'Iseran. Donc là, je vais recharger les batteries. Et ensuite, direction Aiguilles-Perses pour un aller-retour cette année. Puisque du coup, le glacier n'est pas très stable. Et puis, le névé qui reste non plus. C'est même formé des crevasses. Alors, on prend aucun risque. Et bien, on est reparti du ravito de le col de l'Iseran. On monte jusqu'à l'Aiguilles-Perses et on redescend jusqu'au même ravito. On s'est fait contrôler une deuxième fois. Simplement. Et après, on pique sur le tunnel du 3000. Allons. Ça c'est un 3010. Oui. 3310, pardon. D'accord. Et nous on pique un peu là sur le col. Là. D'accord, okay. Là, en contrebas là. Le col là-bas. Ok, ah, d'accord. Et après. Bon, normalement tu vas pas être tout seul. Hein. Non, c'est vrai. Mais bon, si tu te trouves isolé, après il y a un passage qu'il faut bien connaître. Et c'est là qu'il faut mémoriser. Et je vais te montrer le passage. Ouais. D'accord. Sinon, bon, après ils mettent leur petit drapeau, mais oui. Il faut bien mémoriser le petit passage. Le passage là-bas. Allez. D'accord, allez hop, c'est parti. C'est des créatures divines. Ouais. Bon, on repart. Bonjour monsieur. Voilà, tous les jours. J'y pas et plus. Allez, on mémorise. Hop, on mémorise. Là, tu passes à gauche. Ok. Et c'est comment ton prénom ? Richard. Bah, merci Richard de me guider jusqu'à l'Aiguilles-Perses. C'est ce que l'on va emprunter le jour du trail. Et là, ça ne sera pas de la rigolade, il faudra être lucide. Là, vous voyez le passage ici. Hein. Merci, bonne journée. Je sais pas, c'est quoi ? Ouais, ils m'ont dépucé, c'est comme ça. On redescend cette fois-ci. Direction col de l'Iseran. Ça devient bon pour la plage.
place de finisher. J'en croyais pas une minute dès le départ où j'avais pas dû. Petite image qui passait pas du tout. Mais là, je me retrouve à passer le dernier col et franchement, je suis. Allez, bienvenue dans le tunnel des 3000. Maintenant, on descend sur le lac de Louillette et ensuite Val d'Isère. Ok, bon, super. On a fait le plus dur. Enfin, peut-être pas. La descente doit être aussi vertigineuse. 3000 mètres de. Au moins 3000 mètres de. Des moins, donc. Et ça va faire le genre. Et ben c'est pas fini, le lac de Louillette est toujours en contrebas, nous on fait les montagnes russes en fait. On monte, on descend, on monte, on descend. Et là, vous voyez. Allez, plus que 100 mètres et c'est la fin. Merci. Allez, ça devient bon. Trente mètres. Merci.